Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour la suite de la mission 16 de Crooks The Big Heist. Aujourd'hui, c'est très très sérieux, on est vraiment dans le sous-marin. C'est la dernière étape pour cette mission, qui était longue, mais qui était bien 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 cool aussi. Alors, j'ai un peu étudié le bordel. Hein. Donc, nous avons un garde ici. Qui est très relou puisqu'il va, il reste là, il bouge pas, hein, il a pas de, voilà. Donc il va falloir attirer ailleurs pendant que nous on aille activer ça. Il faut aller là. Le but c'est d'aller en fait, c'est d'appuyer sur ce truc là, mais pour appuyer sur ce truc là, il faut qu'on ait été sur chacun des trucs là. Donc je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Hein. Bah si, j'ai vu un petit peu déjà. On rentre dans la salle ici, on a plein de choses à faire, on va débloquer des choses. Après, on a ces portes-là qui sont des portes d'acier et que Bishop ne peut même pas ouvrir. Donc, on a une clé à aller choper ici. Et on pourra ouvrir une de deux portes seulement. Et pas les deux. Ici, c'est activé avec ici. Et voilà. On a deux poids de dispo. On a celui-là et celui que il a Rufus. Après, on a toujours deux blocs portes. Mais de toute façon, on va pas pouvoir... Enfin, si, on pourrait coincer notre garde dans une des salles. Une des salles là, ou là, ou là, ou là. Bah, ici, ce serait dommage, en fait, parce que je tente vraiment condamner, genre celle-ci, par exemple, je l'utiliserai pas. Donc, peut-être ici, il faudrait qu'il aille là. Ouais. Ah, ça commence à se dessiner dans ma tête, finalement. Bon, allez. Je vais donc leur demander de faire des petites choses. Lui, vu qu'il a un aimant, on va utiliser notre aimant et on va défaire les trucs. Il va aussi court-circuiter ici et il va revenir court-circuiter là. Lui, il a tout ça à faire. Toi, tu vas faire ces deux trucs là. C'est toujours ça de fait, hein. Voilà. Ce sera toujours ça de fait. Pour l'instant, c'est pas compliqué. On va défaire les caméras et tout. Vous voyez, là, il y a une porte ouverte. Voilà, les caméras sont éteintes partout. Ça, c'est très bien. Ok. Maintenant, il voit ce côté-là. Mais il voit et c'est bien. Bishop, il allait déjà tous les trucs. Tu peux venir là, du coup, et choper ça. Et ben, revenir là, le temps que je me décide. Là, ça va juste désactiver les trucs. Ok. Elle a pris la clé. On va ouvrir donc cette porte-là. Faut le temps. Voilà. Non, tu peux venir chercher l'argent. Tu vas venir me chercher ça. Il n'y avait qu'un seul trésor à trouver dans le truc. Donc, Est-ce que tu peux te mettre là-dessus? Est-ce que ça enclenche pour de bon? Voilà. Mais... Ah, ça redevient vert. Ok, bon. Alors, parce qu'il faut que je... Je réfléchis, c'est que je travaille le truc. Alors maintenant, c'est on va faire venir notre petit. Parce qu'après, je peux pas faire. C'est soit côté, soit l'autre, en fait. Parce que l'idée, c'était de mettre un pouet-pouet. Ce serait parfait si le pouet-pouet était là et qu'on bloquait. Lui, il peut passer, de toute façon. Ouais. Faudrait que tu poses ton truc là. Il va venir là. Tu vas bien ? Comment il te tend ? Il fait 10 secondes. Je vous explique parce que si j'emmène Rufus ici pour déposer le poète, il faut qu'il ait le temps de sortir.
que le truc s'enclenche, mais que surtout qu'on ait le temps de faire ça pour que je puisse aller de l'autre côté, bloquer le gars. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Le poète-poète met 5 secondes à se déclencher. Et le temps qu'il vienne en même temps... Ouais, c'est chaud, quoi. Faut pas que je me loupe, surtout, quoi. Serrure accrochée. Ouais. Je vais venir là. Et maintenant ? Ouais, je vais venir là. Ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal, en fait. Qui c'est qui allait... Alors, lui, il pourra faire de ce côté. Et c'est Bishop qui a de l'autre côté. Donc, faudrait que j'envoie Bishop... qu'il aille fermer cette porte-là avec le bloc-porte. Et après, je suis tranquille, en fait. Faut juste faire ça. Ouais. Non, il y est pas. Ok. Allez, tu vas... faire ça. Non, pas sorti. Oh là là. Tu vas faire ça, puis... Mais non ! En fait, elle est tellement mal codée la sortie que même si je bloque... Ah non, non. À proximité, il va me faire... il va me faire la sortie, quoi. Là. Là. C'est quoi le topo ? Topo ? Technicos pareil. Ça va être chaud, hein. Le co... Ouais. Ouais, je vais le faire tout de suite. C'est vraiment, ça va se jouer. Ça va être chaud. Oui. Putain. Mais non, viens pas là, idiot. C'est beau. Bien reçu. Oh là là, je vous assure, je suis en stress. Hein. Mais je peux rien faire. Ah, on peut pas. Mais je peux pas faire le bloc porte. Ah ouais, d'accord. On travaille. Bah écoute, tu viens là. Bien. Je peux... Ouais, je peux pas... Putain, mais c'est pas possible. Tu viens là. Ça va barder. Toi, tu viens là. Et elle, je... Tu vas là. Je vais déjà activer ça. Écoutez, on va... Ah mais il est bloqué ? Ah mais il est kéblo quand même ? Attendez là, je... Il peut pas passer ! C'est-à-dire qu'il peut pas sortir là ? Ça veut dire que c'est bon ? Non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois pas. Eh les gars, j'y crois pas. Mais c'était si simple. Je savais pas que ça allait... Déjà, le bloc-porte, c'était chiant, mais j'aurais pu avoir le temps de le faire, en fait, mais... Oh, mon Dieu! En fait, je pensais que c'était hyper compliqué, mais... C'était beaucoup plus simple que je pensais. Oh là là. Ah non, quand même.
Et j'étais vachement bonne. Alors j'ai pris vachement le temps, hein. 74 minutes avec 1h15 en jeu réel, hein. Pas des réflexions, tout ça, mais quand même 13 trésors sur 16, 6 sur 7 et 5 sur 5 au safe. Oh ah là 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 là, j'ai enfin réussi la mission 16, quoi, les gens. Pot de 20-0. Ok. Punaise, j'ai réussi la mission. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Putain, nouveau challenge disponible, des pipés. Ah, un jour, faudra que je regarde les challenges. Entre interdites, ok. Ce sera peut-être quand j'aurai fini toutes les missions, hein. On verra bien. Ah mon dieu, je pensais pas que j'allais réussir. Je suis trop fière. Tout le monde est à bord? Oui. Césarée nous dit merde. Nous il ajoute bien. Que si on s'en tire vivant, il nous offre à chacun une demi-bouteille de bière. Ça, ouais, on va dire non. Allez comprendre. Demi-bouteille. En tout cas, heureusement qu'il nous a dessiné les plans de la base de Leray. Sans quoi, on serait carrément mal. Rufus, pas touche à la radio. Son single le plus funky de ces dernières années. Sans transition, un déséquilibré a appelé la mairie en menaçant d'inonder la ville si on ne lui versait pas $1 million. Ah oui. Il a également précisé que ce n'était que le début. Face à l'hilarité municipale, il a précisé avant de raccrocher que la ville allait bientôt... C'est-à-dire qu'on va aller dans un barrage? Mais aucun raz-de-marée n'est annoncé et les gardes-côtes ne signalent que des eaux calmes à perte de vue. Ouais. Par acquis de conscience, il compte néanmoins effectuer une plongée dans la journée, histoire de se rafraîchir. D'accord. Météo. Le pourquoi temps on a la radio sur San Francisco. Le vent est léger, la mer est calme. Et pour rendre la journée plus hot encore, voici le dernier single de Selena Clara Barracuda. D'accord, très bien. Wow. Ouais, hein. Selena Barracuda. Ouais. Quoi? Ça a commencé. Quoi? Oui, ça a vraiment commencé. Qui c'est que commencé? Alors là, je suis intriguée. Oh mon dieu, c'est la dernière. Base secrète de Murray. Le laser de Murray est opérationnel et il vous reconnaîtra dès que vous aurez changé la pierre de lune avec le cœur de rubis de Kitty Horn. La seule issue est de continuer à avancer en traversant toute la base. Si vous êtes assez rapide, l'USS Blowfish vous évacuera avant que le laser ne fasse sauter toute l'installation. Difficulté du cas 5 sur 5. Eh bien, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, c'est quoi ça? Ah oui, non, c'était un touti. Mais là, voilà, on arrive à la toute fin, hein. On arrive à la fin. Oui, et ben ce sera pour la semaine prochaine. Je suis trop contente d'avoir fini la mission 16. Bah écoutez, ça va être du taf pour la mission prochaine. J'attends de voir. Je vais pas la faire tout de suite. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode de Croux. J'espère qu'il vous aura plu. Je fais des très très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Croux ou autre chose sur ma chaîne. Allez, salut!